Lorsque l'on veut prendre un appartement, avant qu'on l'habite, d'abord on le visite. Quand chez le tailleur on commande un vêtement, généralement on l'essaye avant d'acheter du vin. On le goûte, et bien quand on se marie, j'ajoute qu'on devrait documenter, essayer, écouter, et je réponds à ta question sans hésitation. Boum, j'ai trouvé ça tout seul et je suis content, car mon système n'est pas une plaisanterie. En l'adoptant, tous ceux qui se marient seraient heureux et ne divorceraient pas tant, comme pour les vêtements, les chaussures. Pas de confection, le mariage sur mesure. Tu rigoles, c'est si de moi, et bien pourtant, j'ai trouvé ça tout seul et je suis content. Ne crois pas que tout ça soit incohérent. Le jeu de ménage pendant l'essayage irait habiter chez quelques parents qui surveilleraient les deux soupirants. Le jour tâterait la vie commune, mais à minuit chacun, chacune se dirait bonne nuit, car on ferait chambre à part. Et oui, c'est intéressant et pas indécent. J'ai trouvé ça tout seul et je suis content. La femme pour nous n'aurait plus de mystère. On connaîtrait tout de suite son caractère, car on ne peut pas le dissimuler tout le temps. On verrait si elle chipote à table, si elle a le réveil agréable. C'est moral, pas compliqué, pas embêtant. J'ai trouvé ça tout seul